Salut tout le monde, ici iPlay4U, 14e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM avec, vous l'avez vu, un épisode 13 qui s'est très bien passé, une mission parfaitement réussie. J'ai gagné de l'argent, j'ai gagné un nouveau personnage, j'ai gagné de l'équipement, de l'expérience, bref, tout pour passer un épisode assez sympathique. Dans cet épisode, comme toujours, on va intégrer l'un d'entre vous à mon escouade. Les attaques d'extraterrestres font de plus en plus de victimes dans nos rangs. Oui. Ça commence à être un vrai problème. Mais non, t'inquiète pas. On devrait immédiatement sélectionner de nouvelles recrues dans la caserne. Ouais, c'est bon, il y en a assez. Donc, Florent Alstein, ça c'est bon, tu as été intégré. Joséphine, aïe, bon, bah le prochain d'entre vous sera une fille. Ah non, tiens, on a le major ici. Bah oui, ça c'est la récompense de ma mission précédente. Si vous avez regardé l'épisode 13, j'ai gagné un major. Donc finalement, l'un d'entre vous ne sera pas une fille. Ce sera dans le prochain épisode où j'intégrerai une fille. Donc, c'est parti, toi. Oh, bah t'es une fille aussi. Bah écoute, voilà. String, quoi String? Pourquoi String? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, je suis désolé, c'était pas prévu, ce sera une fille. Tu t'appelles Yoshi, hop, nom de famille, Yoshi15551. Hop, voilà, Yoshi15551, j'ai vu que tu postais des commentaires dans les vidéos d'XCOM, je te tire au sort. Et voilà, donc cheveux. On va peut-être faire des cheveux longs, j'aime bien une fille aux cheveux longs quand même. Ah ouais, c'est pas mal ça. Couleur de peau, tête, cheveux, couleur cheveux. Une blonde, on en a déjà. On n'a pas une rousse? Non, châtain. Ouais, blonde, blanche, rose. Non. Violet, bleu. Oh tiens, les cheveux bleus, c'est la classe. Allez, t'as des beaux cheveux bleus. Déco d'armure, on va te mettre quelque chose de bleu qui aille bien avec ton armure. Voilà, tiens, bleu ciel, parfait. Oh, t'es toute belle comme ça, mon petit Yoshi. Nickel. Bon, sapeur. Donc sapeur, j'en ai pas besoin, je suis désolé. Ça c'est bon. On va tout de suite aller dans ingénierie, fonderie, essayer de produire de l'armement lourd. Medikit amélioré, tiens, ça peut être pas mal. La souplesse de l'allumette nous a donné... Ouais, non, c'est pas la priorité. C'est quoi ça? Maintenant que nous pouvons produire des armes laser plus 1, nous pourrions remplacer les miniguns de nain avec des fusils laser. Ah, oh, ce serait pas mal ça. Oh, ce serait pas mal ça. C'est des nouvelles armes pour mes vaisseaux. Oh, il me faut ça. Maintenant que nous pouvons produire les armes laser. Oh, il me faut ça. Allez, il me faut ça. J'ai pas le choix. Blablabla, 7 jours. Commencez le projet. Voilà, nickel. Je vais prévenir la fonderie. Vous pourrez suivre l'avancée du travail dans la liste des projets de la section ingénierie. Ouais, très bien. Bosse un peu. Donc, ça, on va se refaire une petite armure. J'en veux une. Juste une. Merci. Ça, j'en ai pas besoin. Canon phénix, c'est en production. Canon laser, ça, j'en ai pas besoin. Les fusils, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Il me fallait des fusils laser, les gars. J'en ai pas assez. J'en veux deux. Oh là, je suis déjà ruiné. Nickel. Ok, c'est parfait. Alors, dans un jour, j'ai mon laboratoire. Donc, du coup, on va passer la journée. Oh là 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 là. Enlèvement signalé. Alors, le problème, c'est que j'ai pas mon équipe de choc. J'ai pas encore Adrien, puisqu'Adrien est blessé. Commandant, on reçoit plusieurs demandes d'assistance. Yes. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologlobe. Ok. Donc, j'ai le choix d'aller en Afrique, qui a une panique catastrophique avec une mission très difficile, mais pour gagner un nouvel employé qui ne m'intéresse pas forcément. Ah, j'ai le choix d'aller à Lille, en France. C'est génial, ça. La panique scientifique. Alors, je vais être franc avec vous. Hein. J'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que c'était quasiment impossible d'arriver à garder tous les continents. Automatiquement, au bout d'un moment, on a des continents qui s'enfuient. Donc, je pense que... Ah, je sais pas, l'Afrique du Sud. En même temps, ce serait pas mal de garder l'Afrique du Sud, quoi. Je serais bien allé à Lille pour gagner 200 unités de crédit. Le problème, c'est que la panique, elle est tranquille, quoi. Ils sont pas du tout en état de panique, donc ça m'intéresse pas. Il va falloir que j'aille là. Ce qui serait bien, c'est de garder l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. C'est tout. Afrique, Europe, États-Unis. On va lâcher tout ce qui est Asie parce que j'arriverai pas à tout faire, quoi. On voit qu'au Brésil, il n'y a pas du tout d'état de panique. Donc on va viser la mission très très difficile pour calmer la panique. Allez, c'est parti, j'y vais. Donc, j'ai mon petit Julien l'oiseau, il est ici, c'est parfait. Tu as tes trousses de secours, ton fusil, ta carapace, c'est top. Ici, on a notre bon vieux Cédric, il a tout ce qu'il faut en équipement. Le gilet en nanofibre, tu passes devant, t'as une arme lourde, c'est parfait. Qui c'est qu'on peut prendre d'autre? On a Mister Blop,
Mister Blob, est-ce que je peux pas te remplacer? Parce que du coup, t'as fait tes preuves, tu dégages. Yoshi, ben voilà, Yoshi, t'es toute nouvelle, il faut que je te prenne. Il faut que je te prenne dans le jeu, il faut que je te prenne pour la mission. Ça, c'est bon, et on va te mettre une carapace. Voilà, on va t'équiper, ce sera pas mal. Grenade. Scope. Ouais, grenade. En même temps, grenade, ça fait péter les trucs. Non, on va mettre ça. Putain, on va essayer d'arrêter les grenades. Elle était toute belle, ma petite Yoshi. Ok, ça c'est bon. Ensuite, sniper. Oh, couronne, je t'aime. Couronne, je t'aime, c'est comme ça. T'as un fusil de précision et évidemment, tu vas le garder. T'as une carapace, un pistolet laser et un électroflux. Un électroflux, ça sert à rien, l'électroflux, puisque ça permet d'assommer. Et non, il te faut plutôt un scope. Voilà, un scope qui améliore ta précision. Et l'électroflux, on va le donner à quelqu'un d'autre. On va le donner à... T'es qui, toi? Alstine, Florent Alstine. C'est toi qui vas prendre l'électroflux. Hop. Avec une carapace. Et un fusil laser. Nickel. Et pour finir, du coup, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Donc, on a Julien, Cédric... Purée, Adrien il est blessé, Yopman il est blessé, Brian il est blessé, putain, vous êtes tous blessés. On a Mister Blob ou Joséphine. On va prendre Mister Blob, on n'a pas le choix. Parce que Joséphine est pas prise. Ok, on a Mister Blob, tu fais ton retour. Hop. Voilà, ça y est, vous êtes prêts les gars pour cette mission qui est très difficile, donc s'il vous plaît, déconnez pas quoi. C'est parti, on va. On y va, faut que j'arrive encore une fois à capturer un alien vivant, mais c'est pas facile quoi, je peux pas m'empêcher de les buter, c'est comme ça. Pourtant il va falloir pour pouvoir les interroger. Déployez-vous, Strike One. On y va. Vous allez être déployé en Afrique du Sud. Okay. Tenez-vous prêt à partir au plus vite. Okay. On a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Ok, bon c'est écrit, il n'y a pas de civil, donc vous pouvez vous la jouer bourrin. Dès que vous voyez un alien, vous cartonnez. Allez, on y va. Cédric, je compte sur toi. Julien aussi, je compte sur toi. Absolument, vous assurez. Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One a le feu vert pour se déployer. Donc, on est sur une grande route. Attention, parce que là... Hop. Allez, sprint. Regardez qui voilà. Un tas d'allumettes. Ouh là là, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup là. Oh, c'est craignos pour toi, Cédric. J'espère que tu vas pas te faire canarder quoi. Alors ce qui serait bien, c'est qu'au prochain tour, ils restent tous là, parce que là, je balance un tir de bazooka dans le tas et je fais un strike. Bon allez, on y va. Yoshi, il va falloir avancer. Hop. T'en vois un. 59%. Yoshi, t'as intérêt à le buter. Allez, fais tes preuves directes, immédiatement. T'es trop balèze. Il est mort, je confirme. T'es trop balèze, rien à dire. Florent. Non, il faut se mettre à couvert. Ça sert à rien de se mettre dans la ligne de mire. Hop, on reste en vigilance. Merci, Julien. Julien, tu restes derrière, caché, s'il te plaît. Puisque c'est pareil, t'es le médecin. On a besoin de toi. Mister Blob, tu vas te mettre à couvert ici. Tu vas te déployer sur les côtés. Voilà, parfait. Et on va avoir notre petit couronne sniper. On va avoir besoin de toi. On va te mettre là. Et voilà, tu restes en vigilance. Tu peux pas, puisque t'as déjà bougé. Donc du coup, on va te mettre en position défensive. Allez, c'est parti, c'est à eux de jouer. Arme au point. C'est quoi ça? Oh non. C'est des Goliaths. Riposte. Shoot-le. Balèze, Julien. On se reverra en enfer. T'es trop balèze, Julien. J'ai vu que c'était toi, Julien. Je t'ai reconnu avec ton armure rose. Il se replie. Attention au Goliath. Non, Adrien, tu te fais shooter. C'est bon. T'as encaissé. Tu vas nous faire un méga tir de roquette. Oh oui. Oh oui. Regarde-moi le méga tir de roquette que tu vas balancer ici. Fais un strike. Allez, Cédric. Oh, j'y dois rien, mais c'est ça. J'envoie. Super. T'as assuré.
On va rester en vigilance ici parce que ça marche bien. Donc on va les attendre tout simplement. Par contre, on va essayer de se rapprocher peut-être un tout petit peu de ce côté-là. On va les prendre à revers. Bah, forcément une mauvaise idée de les prendre à revers comme ça. Kuran, mon petit sniper, il faut que tu restes à distance. J'ai besoin que tu restes là à distance. Yoshi, j'ai besoin que tu avances un peu. Tu vas rejoindre notre ami Cédric. Et tu te méfies. Et Florent, c'est pareil, il va falloir que tu avances un peu. On va essayer de se déployer par là, tiens. Allez, mets-toi par là. Et tu restes en vigilance. Faites gaffe parce qu'il y a des Goliaths. Donc attention. Voilà, il y a un Goliath. Je veux un tir de riposte là-dessus. Non, 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 Adrien, te fais pas shooter. On me tire dessus. C'est bon, il t'a loupé, t'inquiète pas. Ce truc va exploser. Tir de riposte. Oh, la bagnole va péter. La bagnole va péter. Il faut qu'on s'écarte de la bagnole, les gars, elle va péter. Encore un Goliath. C'est pas vrai, les Goliaths, j'ai horreur. Il se déploie sur mon flanc. Non, 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 résiste. Ah. Putain, t'es presque mort. Bon, il faut qu'on s'écarte de la bagnole, elle va péter. Ah là là, c'est dommage. Un bon tir de bazooka, là, ça aurait été énorme, Cédric. T'imagines un peu le strike que t'aurais pu faire, là? Allez, Cédric, tu vas y aller. Allez, vas-y. Tu peux pas? Pourquoi tu veux pas? Le nombre maximum d'utilisation par mission a été atteint? Quoi? Ah, t'avais qu'un tir de roquette par mission? Mais tu crains, putain. Bah, barre-toi. Barre-toi parce que ça va péter. Ok. Julien, tu vas te déplacer, Julien. Tu vas te mettre ici. T'envoies un et t'as 52. C'est le Goliath. C'est le Goliath. Tu vas le shooter. S'il te plaît, Julien. Shoot. Yes. 4 points de vie en moins. Tu l'as eu. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois m'intimider en faisant ton gorille, là? Couvrez les flancs. Ah ouais, t'inquiète pas. C'est bon, j'assure. Suivant. Yoshi. Oh, purée, Yoshi. T'envoies 2. 49 et 20. Ah, c'est pas assez, c'est dommage que t'aies pas de grenade fumigène. Mais t'inquiète pas. Une bonne grenade fumigène ici. Comme ça, il pourra rien voir. C'est ça l'astuce. Balance ta grenade. Il y a de la fumée dans l'air. Nickel. Très bien joué. Florent, 35%, c'est évidemment pas assez. Est-ce que Kuran a une bonne visée? Ah, Kuran, tu les vois pas, putain. C'est pas bon ça. Reste en vigilance, Kuran. T'assures nos arrières. Toi, t'as 35%, c'est pas assez. 35, quoi. Ça pue, quoi. Sérieux, ça sent le sauciflard, quoi. Là, t'as une couverture à 100% si tu te mets là. Nickel. 55%, tu le shootes. Shoot-le. Shoot. Tu l'as eu. C'est plus une menace. Yes, tu l'as eu, t'es trop balèze. Vous êtes trop balèze, les gars. Bon, la place est prise ici. Si je te mets là, tu vas te faire shooter. Ce serait stupide. En même temps, il y a les fumigènes, donc je pense pas qu'il te voit. Allez, rapproche-toi là, il y a les fumigènes. On va croiser les fesses pour les fumigènes. 40%. Shoot-le. Tu l'as eu. Oh yes. C'est plus une menace. Oh putain, vous êtes trop balèze. On est en train de former une nouvelle Dream Team. Ah oh, putain, la bagnole a bien explosé, mais ça va t'encaisser. C'est quoi, c'est un Goliath encore? Oh, c'est un Goliath. Ils essaient de se replier. J'aime pas ça, les Goliaths. Bon allez, Cédric, il va falloir avancer. Il va falloir avancer. La bagnole a explosé, donc tu risques plus rien ici. T'envoie un, Cédric. C'est le Goliath. Ah, le problème, c'est que t'es totalement à découvert. Oh, j'ai merdé. Je t'ai mis totalement à découvert. Non, ça va pas du tout. Ça va pas, Cédric. Je suis désolé, je t'ai mal déplacé.
Aïe, 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 j'étais mal déplacé, j'étais mal déplacé. J'espère que tu vas pas te faire shooter, quoi. Je suis pas rassuré à l'idée de te laisser là. Julien, tu vas te rapprocher, mon petit Julien. En même temps, non, il est... Ah, c'est pas bon. On va balancer un fumigène. Voilà. On balance ici, normalement, il devrait... Fumigène ! Il devrait assurer la protection de notre petit Cédric. On va le prendre à revers, lui. On va avancer. Voilà, nickel. Tu restes en vigilance. Super. Bon, couronne, il est temps d'avancer maintenant. T'as assez fait ta feignasse. Tu vas avancer. Tu vas jouer ton rôle de sniper. Nickel. Yoshi. Yoshi, c'est parfait. Tu sais quoi? On va le prendre à revers, lui aussi. Donc, tu vas te mettre là. T'inquiète pas, ici, t'es à couvert. Et Florent, c'est pareil, il va falloir avancer. Est-ce que tu peux te mettre ici? Regarde ça comme tu serais bien là. Oh oui, tu serais très bien ici. Ok, parfait. Il reste mon petit Cédric. Je suis pas du tout satisfait, Cédric. Je suis pas du tout satisfait. Je pense que si je te mets là, t'es à couvert grâce au fumigène. J'espère. Putain, je croise les doigts. Il s'enfuit. Allez, riposte. Yes! Beau gosse, tu l'as eu. Il a plus que 3 points de vie. Très bien joué, très très bien joué les gars. Ok Cédric. Il va falloir avancer maintenant. Tu te mets là. Et tu te mets en mode vigilance. Julien, il va falloir essayer d'avancer aussi. Tu vas te mettre là. J'espère que je fais pas de bêtises en te mettant là. Ok, super. Mister Blop, vous allez avancer, les gars. Voilà, tu te mets là. Oh putain, tir réflexe. Il t'a loupé? Les aliens m'ont pris pour cible. C'est bon, il t'a loupé. Ouh, c'était chaud, Mister Blop. Tu le vois? 60%. Shoot-le. Shoot-le, la mission est finie. Shoot-le. Yes! Adieu. Nickel. Bon, il en reste encore, finalement. Couran, t'es notre sniper. Mais t'as pas une très très bonne marge de vision ici. Ce serait mieux de te mettre là. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ok, nickel. Yoshi, on va te mettre là. Et on va se mettre en mode vigilance. C'est bon. Et pour finir, Florent qui va couvrir encore les côtés. Tu te mets en mode vigilance. Très bien, au top. Au top, les gars. Ennemi en vue. Qu'est-ce qu'on a? Des allumettes. Tir réflexe. Shoot-le. Ah, tu l'as loupé, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Je règle mon viseur. On a quand même buté les Goliaths, donc ça c'est parfait quoi. Allez, 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 attention, attention. Qu'est-ce que tu fais? Ok, il s'enfuit. On va aller les courser, vous inquiétez pas. Cédric, avance-toi un peu ici. Il y a quelque chose ici. Oups, purée, c'est quoi? Encore des allumettes, il y a plein d'allumettes quoi. C'est craignos. On se méfie quand même. Beaucoup beaucoup d'allumettes. 48 48, 28. Le problème c'est que j'ai peur que tu te fasses shooter quoi. 48 28 48. Ah, je suis pas rassuré quoi. Julien, t'as bien fait de te mettre là mon petit Julien, parce que du coup tu vas pouvoir les prendre à revers. T'en vois un ou pas? T'en vois pas? Reste à côté, reste là. On prend notre temps les gars. Ça sert à rien de se précipiter bêtement. Allez, Mister Blop, tu devrais en voir un normalement. Ok, tu vois les trois. 50%, 30%, 50%, 50%. On va les aveugler. On va les aveugler, regarde ça. Tu mets une bonne grenade ici. Nuage de fumée. Et on sera tranquille. Voilà, parfait, très bien. Couronne, mon bon sniper, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que t'avances ici. Ok, c'est bon. Et Yoshi, tu vas venir avec Cédric. T'envoies un, t'as combien? 39%. Tu veux essayer? Allez, essaye. Et tu tires pas sur Cédric. Tu l'as eu? Ouais. Oh putain, t'es trop balèze. Non, sérieux, t'es trop balèze, y'a rien à dire. Ok, c'est parfait, on les prend à revers aussi.
T'envoies un, t'as combien? 45%. C'est pas mal 45, je dois avouer. Si je te rapproche un peu. 45, 45. J'espère que la bagnole va pas exploser. Putain, faut que la bagnole explose pas. Yes, tu l'as eu. Beau gosse. Je l'ai eu. Ok, parfait. Allez, il en reste plus qu'un. Oh merde. Oh merde. J'ai besoin de munitions. Oh merde, j'en ai perdu un. Je sais pas qui c'est que j'ai perdu. Oh, la bagnole a pété, il est mort. C'était qui? Putain, j'ai pas fait gaffe qui c'était. Il est en panique. Il faut qu'on mette fin à cette mission, il est en panique. Oh, la bagnole a pété, c'est pas vrai. Qui c'est qui était là-haut? Je m'en rappelle plus. C'était pas Blop? Oh, catastrophe. Oh, la bagnole a pété. Allez Cédric, si tu le shoots, la mission est finie et on peut rentrer chez nous. Tu l'as eu. Ouais. C'est pas fini? Oh putain, il en reste encore. C'est pas vrai, il en reste encore les gars. Quoi. J'aurais pas cru. Oh les boules quoi. Putain, la bagnole a pété quoi. Kouran, on va avoir besoin d'un sniper. Yoshi, tu vas te rapprocher tout doucement. Ça doit traîner à mon avis. Oh, je suis dégoûté. Il est où? Il est là-haut. Il est là. Ok, c'est une allumette seulement. Juste une allumette. Donc il n'y a rien à craindre. Attention, tu te fais tirer dessus. C'est pas grave, t'as perdu que 2 points de vie, c'est rien. Oh, tir de riposte, tu l'as shooté. Alien à terre. Bah, t'es trop balèze. J'ai plus de munitions. Commandant, voilà. Cette opération a été couronnée de succès. Ok, bon, une perte. Aïe, aïe, aïe. C'est même pas l'alien qui l'a buté, quoi. C'est la bagnole qui a explosé. J'aurais dû le voir, effectivement, la bagnole fumée, donc j'aurais dû voir. J'aurais pas dû mettre mes hommes à côté. Putain, j'ai merdé. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Par contre, j'ai pas capté qui était mort. Je crois que c'est Blop. On va regarder. Suspense. Alors, qui c'est qui est mort? Ouais, c'est Blop. Aïe, 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 tué Blop. Je suis désolé, Blop. Putain, t'avais 5 missions. Non, t'avais 3 missions et 5 aliens tués. Aïe, aïe, aïe. Bon, Cédric, t'as encore été promu, c'est parfait. Tu passes sergent. Le tir de roquette qui augmente de 33% tous les dégâts, c'est énorme. Tir spécial déclenchant un tir effect sur un tir. Alors, c'est soit un tir de roquette qui inflige 33% de dégâts pendant 4 tours, les dégâts... Ok, ou soit... Un tir spécial déclenchant un tir réflexe sur une cible unique. Non, tu veux être un bourrin, toi. Ok, parfait, mon petit Cédric. Florent, tu es passé tir de roquette, toi aussi. C'est très bien, on a besoin de bons bourrins. Et on a quand même des blessés. On a Yoshi et Florent qui sont blessés. Je suis désolé, Blob, putain. Je suis désolé. On a récupéré des cadavres, des fragments d'armes, c'est parfait. On a gagné une nouvelle unité qui est commando. On a... Amérique du Sud, la panique est en hausse, l'Europe, indice en hausse, et... Ok, super. N'oubliez pas, nous vous observons. On va juste surveiller un peu les indices de panique. Donc les États-Unis c'est parfait, Canada c'est correct, Mexique, Argentine, Brésil, donc tout ça c'est bon, hein. Toute cette partie-là c'est bon, l'Europe, au Royaume-Uni, France, ou la France, ça craint. Attention à la France. Russie, Allemagne, Chine, donc c'est tout ce côté-là que je vais abandonner parce que j'arriverai pas à les... Allez, faire capturer un extraterrestre vivant, interroger l'extraterrestre... Ouais, il faut que je capture un extraterrestre vivant, c'est vrai ça, putain. Ok, bon allez, on va arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, l'un d'entre vous intégrera mon escouade, puisqu'on a Joséphine et Berko ici. Tiens, c'est ma nouvelle recrue, qui arrive déjà directement major, qui est commando, donc on va s'en occuper. Défense plus 5, chance de coup critique plus 10, c'est parfait. Ensuite... Réflexe éclair, le tir de réflexe contre... Ah, c'est pas mal ça. Non, un tir réflexe. Ça, c'est bon. Débuse comment? Tir précis mais peu puissant qui force les ennemis à sortir à découvert ou permet de tirer 2 fois successivement sur une même cible. Ah, mais il me faut tout de suite. Ok, parfait. Bon, l'un d'entre vous intégrera mon escouade dans le prochain épisode. J'arrête là. On se retrouve très rapidement. T'as une... chier de blesser, c'est juste incroyable. Pour la suite de ce let's play qui promet d'être véritablement intéressant. Allez, à la prochaine, salut à tous.